Hop. Et Thomas, il fait combien de kilos? Je sais pas si les droits de leak, je leak. Bah oui. Mais il l'a mis sur Twitter. 99. 99, les mecs. 99 kilos. 99. Il a frôlé le point de sans retour. Non, c'est comment on dit le point de sans retour? De non retour. Le point de non retour. Ils connaissent pas. Je suis. Mohamed Denis? C'est Mohamed Denis? Il dit quoi? Ah oui! Salut à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères et les tambourins qui mangent des nanana, les amis. Oui, c'est ça. C'est ça. Attends, vous me l'avez sorti, je me sens bien là, je me sens léger. Je me sens léger. Ok, pour ceux qui connaissent pas, vous venez dans la nid et regagnez la contre-bagarre. C'est ça. Et puis même ça sert à rien de se battre, c'est inutile. Pas montrer qui est le plus fort, ça a aucun intérêt. Voilà, donc frère, force à toi, t'as perdu... En vrai, t'as perdu quoi? T'as perdu l'équivalent de combien? J'ai perdu une paire de TN, deux paquets de clopes, 20 balles de shit. Super, la jeunesse, super, ça. au début, il m'avait pris ma sacoche et tout, il y avait 3 bigots dedans. Avec t'es, des AirPods. T'es un dealer ou quoi, toi? Comme ça, 3 bigots? Ouais, y'a quoi dans... C'est quoi le deal, là? Non, mais parce qu'en fait... le bigot de mon pote, il était sur la plage et il avait plus de batterie, du coup j'ai tout mis dans ma sacoche. Le mien aussi, il avait plus de batterie. Du coup j'ai pris le bigot d'une gadji pour éclairer. Toi, t'es un menteur, toi tu vends du shit, toi. Toi, t'es un menteur. Lui, il vend du shit. Je suis morte. Ok, bon, attends, juste tromper sa meuf, mais il menait une double vie, double téléphone, double parfum. Et tu fais encore ça? Ça dit quoi, y'a du nouveau? Y'a du nouveau. Vas-y, bah frère, je t'ai arrêté de la tromper parce que t'es devenu un mec sympa. Raconte-nous. Non, vraiment pas, en fait, j'ai toujours pas réussi déjà ça. Il a une troisième meuf. Trois téléphones, trois parfums. Imagine. Non, vraiment pas. Mais c'est juste que, genre... du coup, maintenant, j'habite avec Magadji, que je suis avec depuis... Depuis combien de temps? Depuis 4 ans. Ah oui. Au début, j'ai voulu faire. Au début, voilà. Je vais prendre l'exemple sur Elias. J'ai voulu faire une Elias. Oh non, quoi, non. T'as l'influenceur. Comment ça? Non. J'ai voulu faire une anecdote là où. Non, mais dis pas que tu veux faire ça. Il est malade. Non. Celle qui est le mal. Non. Ça c'est non, vraiment mauvais bail, mec. Comment ça qu'il est malade? Mauvais bail. L'anecdote, je la connais pas. Au début, j'ai voulu faire ça, tu vois. J'ai réfléchi, je me suis dit c'est trop gros pour faire ça, tu vois. Mais oui, c'est trop gros, mec. Bon app Franklin. Non, frère, parce que tu vas changer tes photos de profil Facebook, tu vas tweeter, tu vas mettre des stories Instagram, Snap, tu vas... Elle va te croiser au supermarché, elle va dire attends, mais t'es pas en phase terminale, toi. Attends, imagine, il y a une des meufs qui regarde le stream d'Elias. Imagine, hein. Et tu vas faire quoi? Tu vas dire la vérité ou tu vas encore trouver des excuses pour mentir? Mais non, mais là, il peut pas, si jamais elle regarde le stream et qu'elle sait, il peut pas se défiler. Ah, mais là, je suis dans l'appart, là, elle est à côté, hein, elle est dans le salon. Mais t'es malade. Est-ce que déjà tu la ramènes et nous on parle pas de ça? Genre juste on lui pose des questions par rapport à toi. Non, elle va griller. Non, on lui dit comment ça se passe dans ton couple. C'est humiliant déjà, c'est humiliant. C'est pas humiliant. Fou, elle va nous demander. On va entendre parler, tout le monde va se dire ouais, t'es cocu. Tu as pas compris le principe de l'émission, elle sait, met des bâtons dans les roues, frère. On est là pour le show. Okay. On est là pour le bordel, ok. Appelle les deux. Je mets l'emote mode, sur la vie de ma mère, je mets l'emote mode. Fais-moi confiance, frère. T'inquiète, sur la vie de ma mère, je peux. Là, on aime ça, vas-y, mon gars. Détends-toi un petit peu, parce qu'on dirait que tu vas taper en tête avec nous. Là, moi, je suis pas très. Non, mais non. Faut que je parle, là. Faut que je me dévoile un peu, parce que là, ça y est, j'en ai marre. Ça y est, c'est trop. Vas-y. Écoute, bien. On écoute. Je parle avec une meuf. Normal. Ouais. Une, deux, trois. Trois, quatre. Quatre meufs. Ouais, je suis tranquille, je parle avec eux et tout. La première, elle me dit mon frère. L'autre, elle me dit mon frère. La troisième, elle me dit mon frère.
Ça y est, frère, y a pas de frère. Moi, je veux avec toi. Oh là là, Adib, y a pas de frère. Moi, j'appelle ça le karma. Tu parles avec 20 meufs en même temps. Moi, j'appelle ça. Mais non, pas en même temps. Ah, oh les putes. Non, je veux. Non, oh là, j'en ai marre. J'arrive pas à parler avec des meufs parce que des fois, quand je parle avec des meufs, je vais essayer de les draguer. Je fais des crises de panique. Je sais pas pourquoi. Comme ça. Comment ça, des crises de panique? Attends, viens, fais. Je t'aime. Okay. Y a des meufs. Je suis resté plusieurs mois avec. Elles ont pas entendu mon je t'aime. Hein. On a entendu quoi? Mais faites comment? Dis-moi comment tu fais, dis-moi comment tu... quand il y a une fille qui te parraine, dis-moi ce que tu dis. En gros, regarde comment je fais. La meuf, je lui parle, mais pas trop, tu vois. Ça veut dire que je lui parle rarement, et même quand je lui parle pas beaucoup. C'est moi, je coupe la conversation, c'est moi, je réponds pas, c'est moi, si, cela, tu vois. Et j'approche, et tous les jours, je gratte un peu du terrain. Et si un jour, elle montre un signe comme quoi elle est pas intéressée, je passe à autre chose. C'est fini, tu vois. En fait, je lui laisse pas le temps de penser que je suis son ami. Les meufs que j'ai draguées et qui ont montré qu'elles n'avaient pas d'intérêt vis-à-vis de moi, va leur demander est-ce que Elias c'est ton pote. Elles vont dire non, je l'ai jamais considéré comme mon pote. Elles vont dire c'est une connaissance, c'est un mec à qui j'ai parlé 2-3 fois, c'est un mec qu'on s'est appelé en deux spies, mais ça s'est arrêté là, tu vois. Elles ont pas le temps de penser que je suis leur ami. Tu dis pas je t'aime si tu le penses pas, c'est tout point. Y a pas non, même si tu le penses, arrête tes couilles, arrête tes couilles. Regarde, tu sais quoi, regarde, non, à partir de maintenant, Amarou, tu es un cas extrême, toi, t'es un cas extrême de ouf. Non, tout ce que tu es autorisé à dire, c'est moi aussi. Tu ne dis plus je t'aime, c'est fini. Tu dis plus, tu non, dis moi aussi. Non, non, même pas, tu réponds aussi, c'est bien ça. Ouais, tu dis je t'apprécie. Tu dis bien vu, c'est tout. T'es un bon. Merci, c'est bien aussi. tu lui dis t'es un bon. Je te jure que frère, là tu vas lâcher direct. Je l'envoie des cœurs alors, ça va les cœurs. Non, pas les cœurs, pas les cœurs. Ça n'a pas de valeur. Des mots sans axe, ça n'a pas de valeur. Mais comment alors, bien vu, ça veut dire quoi? BSK, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu envoies des cœurs à chaque message? Ouais, un peu. Ah, mais en fait, t'es un canard, en fait. Mais en fait, non. Non, c'est pas un canard. Il y a même pas 1% de mes conversations qui ont commencé sur un salut ou un bonjour, mec. Frère, tu commences pas un salut, ça va. Le salut, ça va. Jamais de la vie. Moi, je démarre. Oh, c'est pas entrée, plat, dessert. C'est dessert, direct. Oh, dis-toi, faut que tu te démarques. Non, mais quand je dis parler, t'as compris, Catlock. C'est vraiment parler au sens large, tu vois. Tu dis ça. Hein non. Non, frère, d'abord tu commences avec une disquette, genre par rapport à, je sais pas, une pub Insta. Une pub Insta, voilà. Tu trouves un truc à lui envoyer, voilà, tu lui dis ça. Wesh, je viens de voir ta pub Insta postée devant machin, c'est où ça, se trouve où ça, est-ce que c'est bien là-bas, voilà. Si j'ai des potes, nanana. Voilà, une fois qu'elle t'a répondu, etc., tu l'as envoyé pour la remercier. Ça, c'est mon baiser. Après, tu dis bon, sinon tu vas bien, et après tu pars avec une conversation comme ça, et après tu pars sur des sujets, elle te répond à des trucs, tu relances un débat, etc. Je lui parle des pronostics, par exemple, parce que je fais des pronostics, je lui dis ouais. Un truc que je connais, tu vois ce que je veux dire, que j'aime bien. Je lui dis ça. Je dis ouais, t'as misé sur quel match aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends, j'ai une question. J'ai... Attends, l'application de chat, genre c'est un truc pour modérer tout. Bah, genre, il y a une option dessus, tu peux programmer tes pubs. Et toutes les demi-heures, il y a 90 secondes. T'es sérieux? Ah oui, frère, M6. T'as combien de pubs sur le dernier mois là, dis-moi? En euros? En dollars? Je t'envoie un DM. Moi je vais dire je suis à combien? Ah frère, on parle d'argent, ça y est, tu connais. Eh hey, partage, moi je vois, c'est vraiment, ça pue la merde. Moi si ça m'intéresse, ça pue la merde. Si je dois faire ça aussi. Je suis à 360$ moi. Ouais, sur un mois. Je mets pas de pub, ouais. Sur, attends, sur 30 derniers jours. Un mois, attends, pour une moyenne de combien de viewers, Franklin? Ce mois-ci je suis à 500 en moyenne. Tout le monde. Mais what the fuck, mais moi, maintenant je stream plus trop parce que je suis plus une streameuse, mais je mettais jamais de pub avant. Je me dis, bon, les pubs ça a rien. Non, ça va pas trop. J'ai plus boost toi avec les pubs que avec les sub tier 1, tier 2, tier 3. 4000 cours 993, c'est la zone à éviter. En sortant du bâtiment, j'ai connu célébrité. Plein de fric, plein d'oseille.